Yo les potos, c'est Mikey de la Street, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pas dans une vidéo gaming, pas dans un prank, mais loin de là, on se retrouve dans la première recette de cuisine de la chaîne. C'est inédit. Non pas que je veux copier Fast Good Cuisine car il a énormément de talent, mais j'ai fait quelque chose et j'ai trouvé ça tellement bon que je suis obligé de vous y partager parce que ah là, on a du haut niveau. Mais franchement, attendez, il y a le haut niveau, il est là. Et ben ma sauce, elle est encore plus haut. Vous voyez, ça rentre pas dans le 4, tellement c'est haut. Bref. Alors, cette sauce, c'est pour accompagner du poulet, puisque j'y ai fait avec du poulet. Voilà. Donc, cette petite sauce, elle est là. Je vais vous montrer directement les ingrédients. Mais par contre, il n'y a pas de montage. Là, si je fais cette vidéo en 2-2 parce que j'ai pas le temps. Cet après-midi, je vais faire un petit peu de bricolage. Je vous montrerai peut-être une vidéo dessus. Voilà, donc c'est des champignons un peu comme ça. On dirait des bolets, je crois. Hop. Avec, j'ai mis à peu près 8 champignons, je crois. Hop. C'est le top. Ces champignons, ils sont ni trop forts, ni trop doux. Ça va vraiment très bien avec. Donc, comme vous pouvez voir, ça a une couleur un petit peu blanc. C'est normal parce que dedans il y a de la crème fraîche. Eh oui, les poteaux. Quoi mieux que de la crème fraîche pour aller avec du poulet comme base d'ingrédients. Vous voyez, ça se mélange bien. C'est pas trop épais, pas trop liquide. Ouh là, là, je suis tombé sur des morceaux. Du coup, c'est tombé directement. Bref, c'est pas grave. Alors voilà. Donc, je vais vous dire directement les détails de la recette. On a 60 centilitres de crème fraîche. Avec les 8 champignons, comme je vous ai dit. Mon boulis, il a kiffé, là. Vous voyez ces petites têtes, là, avec ces petites oreilles trop chou, là? Ah, il m'a dit, il adore. Là, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de se mettre devant moi pour me quémander. Ah, vous voyez, regarde, il regarde, hein, il perd pas le nord, ces petits chiens. Alors, du coup, on disait 3 briques de crème fraîche, du coup, ça fait 60 centilitres. Avec, bien sûr, les 8 champignons. Ensuite, vous allez pas y croire, mais moi, je vous dis que quand on contrebalance les arômes, ça peut donner quelque chose d'incroyable. Et là, pour le coup, c'est du haut niveau. Hein. Franchement, c'est incroyable. Bref, donc avec ça, on a une cuillère comme celle-ci, là, ça, là, remplie de moutarde. Oui, vous ne rêvez pas de la moutarde. Mais surtout, vous allez coller quand je vais vous parler de miel. Et oui, les poteaux. Il y a du miel dedans. Une simple cuillère à soupe suffit. Oui, après tout, il y en a assez, je pense. Hein. Après, vous jaugez selon vos envies. Hein. Et ensuite, pour terminer, j'ai mis une cuillère à soupe de sel et une cuillère à café de poivre. Voilà, il y en a assez. Une cuillère à café de poivre, vous savez, c'est la cuillère, la petite cuillère, quoi. Voilà. Voilà, les potos. On revient au petit miroir, histoire qu'on se parle en tête à tête, vous voyez. Donc, vraiment, c'est inédit. Mais je tenais à vous la partager parce que vraiment, cette recette est incroyable. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il vient me quémander, ce petit chien, là. Ah, il a faim, mon Willy, hein. Oula, j'ai dit manger, là. Il n'en peut plus. Il a la faim, le manger. Oula, la faim, le manger, la faim, le manger. Bref, arrêtons un peu de faire les fous. Et parlons sérieusement. Donc, avec Ludo, mon petit Ludo d'amour, on s'est dit que on allait faire un nouveau petit concept, malgré que j'ai pas trop le temps. Vous voyez, ça fait 4 semaines, j'ai pas sorti une vidéo quand même. Presque un mois, les potos, vous vous rendez compte, un mois sans vous. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, même si c'est en retard. Hein. Une bonne santé, la réussite, etc. Tout de bien pour vous, bien sûr. Quoi de mieux qu'une très bonne année, après tout. Bref. Donc, avec mon petit Ludo, on s'est dit qu'on allait faire des sketchs. Et aussi, vu que je suis pris par du bricolage en ce moment, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Mais à la fin, quand ce sera fini, après, je vous détaillerai, je vous montrerai les petits recoins des pièces, etc. Je vous dis pas ce que c'est, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, les gens. Eh ouais, je suis un enfoiré, je dis jamais à l'avance, hein.
Bref, donc on se retrouve futurement dans une prochaine vidéo. Soit ce sera un sketch avec Ludo, soit ce sera une petite partie gaming vite fait, parce que j'ai encore 2-3 vidéos, il me semble, de gaming. Ou sinon, on a fait un essaye de ne pas rire avec Ludo. Donc voilà, c'est la première fois que je vous spoil, je crois. Oh purée, je suis un enfoiré. C'est pas cool. Bref, les gens, j'espère que vous allez kiffer cette sauce qui va très bien avec le poulet. Et aussi, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Sinon, si vous êtes un bon abonné, vous pouvez m'envoyer tout simplement un snap sur le snap qui sera dans la description juste en bas, mon pote. Ou sinon, dans le Gmail que j'ai créé spécialement pour vous. Parce que je me suis dit, hey, imagine, j'atteins les 100 abonnés. Il y a bien quelqu'un qui va m'envoyer un petit mail, quoi. Purée, le bouli, il a trop faim. Il a trop faim de poulet. Il a kiffé, je vous dis. Oh, franchement, c'est la première fois qu'il vient m'embêter autant pour manger, quoi. Alors qu'il a une gamelle pleine, quand même. Hein. Eh ouais, mais bon, quand on goûte une sauce pareille avec le poulet, on a envie de faire quoi? Eh ben, d'y regoûter, bien sûr. Donc, les potos, c'était Mickey de la Street. Je vous ai tout dit, tout. Vous êtes avisés de tout ce qui va se passer sur la chaîne YouTube prochainement. Et sur ce, faites pas trop les fous, prenez soin de vous. Et voilà quoi. Abonnez-vous aussi, hein. Avec les petits pouces bleus, les petits commentaires. De toute façon, comme je vous ai dit, pour vous dire que c'était trop bien. Partagez la chaîne aussi. Oh, franchement, ça se fait trop plaisir. Et voilà, sinon c'est tout, hein. Et bonne fin de vacances à vous. Et bonne chance à ceux qui vont recommencer dans pas longtemps. Allez, salut.